chez Finn. Encore ? Un langage aussi vulgaire est indigne d'un gentleman. Je vais le remettre dans le droit chemin. Finn, non, ne lui réponds pas. Espèce de petit morveux ! Quel langage vulgaire ! Ces machines portables pourrissent ton cerveau. Ouah, d'accord, grand-mère, grand-mère. Bacalosaur n'a pas envoyé ce texto. Kevin, tu es juste une espèce d'émo qui est jaloux de voir à quel point je suis génial. Et tu sens mauvais comme de vieilles chaussettes sales. Et envoyé. Espèce d'insupportable enfant. Prépare-toi pour ta complète et totale... Hein? Encore? Ben, il s'avère qu'Aristo Corbeau essaye juste de nous dire comment éteindre les hydromachines. Quoi? Aristo Corbeau, dis-lui que je ne veux pas le voir. Quoi qu'il en soit, grand-père travaille toujours sur le démontage des machines, alors occupe-le encore, Ben! J'ai compris, Gwen, je distresse Tim Smith. Qu'est-ce que tu crois que je fais, là? Tu essaies de battre Kevin au sumo massacre? Non, je distresse Tim Smith comme on l'a prévu. En fait, il est juste devant moi. Je peux pas te parler, Gwen, je dois y aller, salut! Regarde qui est en tête maintenant! Qu'est-ce qui se passe? Oh, je te l'ai dit, on va sauter dans les chutes! Tu ne m'écoutes jamais! Mais où t'as trouvé un tonneau? Oh, tonneau gratuit et pratique pour les défis inutiles du bon vieux temps? D'accord, ça tombe plutôt bien. Ah, ouais, Kevin, attends, je vais te faire plonger! C'est cool, Gwen! Ben, vite! Tu dois sortir de là! On a détruit ces machines! Génial! Merci, les gars! Maintenant, je peux me concentrer sur le fait de battre le meilleur score de Kevin! Ben! Pose le jeu et sors de là! Vitesse, t'es sur le point de tomber dans les chutes! Oh, c'était une mauvaise idée! Aristo Corbeau, tu viens me secourir! Aristo Corbeau! Oh, je suis vraiment trop sympa! Hey, salut beau gosse. Tu connais la procédure. Sauver tout le monde, trouver une réplique qui tue et battre le meilleur score de Kevin. Hey, lâche-moi, insolente créature. Je ne gâcherai pas ma réputation en étant sauvé par un individu de ton engeance. Ça me convient. Merci d'avoir choisi Super Jet Airlines. J'espère que tu as apprécié ton vol. Au revoir. Mon postérieur. Aristo Corbeau, tu as essayé de me sauver. Ben! Ah, salut, pourquoi vous avez été si long? On n'a pas tous des pouvoirs aliens. Tu crois que c'est fini, Tennyson? Tu m'as peut-être sauvé, mais ça causera ta perte. Maintenant, avec Aristo Corbeau à mes côtés, je vais... Ne bougez plus! C'est en état d'arrestation. Pourquoi? Ce saut en tonneau est illégal. Vous avez eu de la chance que ce ravioli-voleur vous ait sauvé. Attends un peu, petit. J'aurai ma revanche. On a des menottes pour l'oiseau. Sérieux, Ben? Après tout ça, t'as toujours le nez dans le jeu vidéo? En fait, non. Au contraire, j'ai appris que parfois, le plus important n'est pas de battre Kevin, mais de prendre une photo avec sa famille. Tu as appris ça? Waouh, Ben, je suis très fier. C'est très mature de ta part. Bon, allez. Si on prenait cette photo... Quoi? Oh non, pas question. Ben, t'es sérieux, là? Ouais, ouais, j'en ai pour une minute. D'accord, rejoins-nous quand t'auras fini. Ouais, pour déjeuner, c'est génial. Donnez-moi juste une part de pizza. Mais je ne parlais pas... T'es le meilleur, grand-père. Meilleur score, me voilà.